Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien oui, se tenir en forme, c'est l'essentiel. Je voudrais avant tout encore remercier les élèves de la Fitness Academy pour m'avoir guidé à travers tous les exercices que j'ai pu vous proposer et aussi surtout les féliciter d'avoir obtenu leur diplôme ici il y a une semaine. J'aspire vraiment à la rentrée académique du mois de septembre pour revivre cette expérience, c'était fabuleux. Vous le savez, je suis en compagnie de Marie, qui est aussi mon épouse. On est reparti pour une séance d'entraînement ensemble pour vous faire du bien. On va commencer par un petit échauffement et on va attaquer nos exercices pour cette séance. Marie, petit échauffement, tranquillement, on ouvre, on en fait 10 tout simplement. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je monte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pointe des pieds. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais maintenant essayer de tenir les deux bras bien fixes. Petit élan, ce n'est pas un squat, c'est un petit élan, je vise l'épaule. Petit élan, je vise l'épaule. Petit élan, je vise. Garde bien les bras et les jambes écartées, ne les ramène pas. Ce n'est pas un squat, c'est un petit élan, mais garde les bras bien fixes. 1, 1. 1, 1, monte bien, voilà, essaie bien de monter les genoux, garde bien tes bras fixes. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et stop. Je prends, je tire, j'étends, je tire, j'étends. Je tire, j'étends, je tire, comme si tu imaginais avoir un charge tiré. 3, voilà, 4, 5, 6, on va jusqu'à 20, 7, 8, 9, 10, continue, oui, t'as une charge qui est lourde. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On écarte les jambes, on va les garder écartées, tirer 1, tirer 2, toujours du même côté, on ne ramène pas la jambe, juste étendre, revenir, 1, 2, très bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et l'autre côté, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On va garder les mains près des épaules. Ok. Et on va essayer encore maintenant de tirer, revenir. Tirez, revenir. Tirez, revenir. Parfois, on va bien loin aller chercher au niveau des épaules. 1, on s'étire. Comme si on voulait se décoller. 2, 3, très bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 10, très bien. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On respire. Très bien. OK. On va maintenant passer au premier exercice qu'on va faire de profil pour vous permettre de voir le mouvement. La position est celle de position de pompage. On ne fera pas de pompage. On va essayer de se mettre en position planche. Et tout simplement,
1, 2, tout simplement. Mets-toi de profil. On se met en position de pompage. On s'étend bien. Et on va ramener ses fesses au niveau des pieds. Hop, et 1. Hop, 2. Hop, 3. Hop, 4. Et on va en faire 10. 5, 6, 7, 8, excellent, 9 et 10. Très bien. On respire. Lors de notre dernière séance, je vous avais montré cet exercice. Je vous avais dit que vous avez un caillou. Vous le posez. Et vous donnez un coup de poing. Ici, c'est l'inverse. Vous allez croiser. Au lieu d'aller avec la main droite vers la droite, vous allez avec la main gauche vers la gauche. Et coup de poing. Hop, coup de poing. 10 fois. Hop. Non, avec la gauche et on monte cette fois. D'accord. Hop. Et 1, en haut, Marie. Okay. Hop, et 1. Voilà, hop, et 2. Et t'essaies bien d'étirer ton soulevé. C'est parfait, on continue. Hop, 3. Hop, 4. Hop, 5. En haut, Marie. 6. 7. 8. 9. Excellent. Et on respire. Tranquillement. Plus le coup est puissant, plus l'exercice est puissant. Donc, je m'étends. 1. Je frôle. 2. Ok? 10 fois. 1. Reviens à chaque fois que le pied marche. 1. Voilà, on est reparti. 2. Et bien le tendre ici. 3. Très bien. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va revenir à l'exercice précédent qu'on va encore corser. Je vise les pieds, je reviens, je touche l'épaule gauche avec la main droite, je touche l'épaule droite avec la main gauche. Je reviens. Si tu fais des erreurs, pas de problème. Je corrige. D'accord? Donc, on vient aux fesses, toucher, toucher. Je viens aux fesses. 1, 1. Excellent. Bien s'étendre comme un chat. Hop. Très bien. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6. Très bien. 1, 7. Ça va? Oui. Allez. 1, 8, très bien. 1, 9, 1 et 10, très bien, excellent. C'est clair que même si vous avez une bonne condition physique, des schémas de mouvement qui sont différents de ce que vous avez l'habitude de faire deviennent puissants. Hein? Si je suis un grand joueur de rugby et que j'ai un ami qui est un grand joueur de squash, et que pour une fois, je vais jouer avec lui, il se peut que j'ai des courbatures que je ne connaissais pas. Okay? Donc, ce sont des chemins de mouvement auxquels vous n'êtes pas habitué. L'exercice n'est donc pas toujours facile. Bon, revenons à notre petit exercice accessoire. Je vous avais montré tout à l'heure celui-ci, coup de poing. Maintenant, rendez le plus puissant en fonction, bien entendu, de votre niveau cardio. Je saute. 2, je saute.
Plus vous sautez puissamment, plus l'exercice est puissant. Donc, on est là pieds joints, on étend, je viens, tac. Hop. Allez, ah, voilà, hop. Deux, très bien, hop. Trois, on respire, hein. L'exercice est puissant. Quatre, cinq, six, sept, huit, et ton poing, il compte pas, huit, neuf, et dix, excellent. Tu peux récupérer, hein, d'accord? Oui. Très bien, très bien. Un, hop, deux, hop, allez, saute Marie, trois, voilà, quatre, cinq, six, allez, encore quatre, et un, deux, trois, et quatre, et on respire. Troisième variant de notre exercice précédent, je vais toujours déposer les fesses au niveau des pieds, je reviens et au lieu de toucher l'épaule, j'ouvre et j'ouvre. Essayez de regarder la main en faisant l'exercice qui va permettre aussi à tout votre tronc de participer au mouvement et donc de donner à votre corps davantage de mouvement. Ok, donc on ramène nos fesses, droite, puis gauche, je ramène nos fesses. Et on reste sur 10 répétitions. Si je dois faire une pause, tu fais une pause. Viens un peu par ici, près de moi. Voilà, donc tu te mets en position planche. Voilà. Tu ramènes les fesses, hop, tu ouvres en regardant ta main. Voilà, un. Voilà, et tout ce tronc participe au mouvement. Parfait, n'oublie pas de respirer, l'exercice paraît simple, mais l'exercice reste puissant. Deux, très bien. Et tout ce corps qui bouge en trois dimensions. Hop, voilà. Trois, trois. Hop, quatre, quatre. Hop. 5, 5, hop, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. Très bien. Tu vois bien? Oui. Parfait. Bon. Maintenant, on va venir à cet exercice que j'appelle la tondeuse. Donc, imaginez que vous vouliez allumer une tondeuse assez rebelle, hein, qui n'est pas une tondeuse électrique, avec le câble. Eh bien, vous allez imaginer que vous allez optimiser tous les muscles de votre corps pour allumer cette tondeuse. Je vais demander à Marie d'effectuer ce mouvement-là avec la hanche. Elle ouvre en tirant, en imaginant qu'elle tire sur un câble et revenir. Et je vais lui demander de le faire en donnant un coup de poing dans les 3D qu'elle décide. Je reviens. Deux, je reviens. Trois. Je peux vous montrer plus ou moins l'exercice. Donc, tu es face à cette tondeuse. Okay. Tu tires sur le. Tu fléchis d'abord. Montre-moi le mouvement. Tu ouvres la hanche et tu frappes. Plus le coup de poing est violent, plus l'exercice est puissant. On reste sur 10 répétitions. 1. Voilà. 2. Voilà. Tu peux varier, tu peux décider là où tu frappes. 4. Ouvre bien la hanche, Marie. 5. Très bien.
6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Voilà. Et 1. Très bien. J'ouvre et 2. Voilà. 3. 4. N'oublie, n'hésite pas bien à ouvrir cette hanche. 6. On est tous assis quasi toute la journée sur des chaises. Encore 3, c'est parfait. 1. 2. Et 3. Ok. On va faire un petit exercice maintenant, plutôt pour la sangle abdominale, hein, appelé le core training. Munissez-vous si vous avez mal au coude ou aux avant-bras. Vous pouvez prendre un petit tapis, une petite serviette. Ici, j'ai pris une petite serviette. Hein. Je vais vous montrer de côté. Okay. Vous allez tout simplement déposer les avant-bras sur le sol. Et je vais vous demander d'ouvrir la jambe et de la fermer. Alors, selon votre condition physique, soit vous reposez le pied, soit vous le laissez en extension. 1. On arrive à en faire 10 à gauche et 10 à droite. Si elle se sent fatiguée, elle repose le pied avant l'ouverture. Si elle sent qu'elle a la capacité, elle laisse le pied en tension. Ok ? Ça marche. Donc, sur les genoux. Si tu peux, tu laisses le pied, garde les jambes tendues. Ok ? Si tu arrives à garder toujours le pied en extension, tu le gardes en extension et tu ouvres. Tu ouvres dans la limite de tes possibilités. 1, 2, très bien, respire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et stop. Très bien, on respire. Et de l'autre côté, 1, très bon. 3, 4, vous allez sentir bien entendu une tension. 5, 6, 7, 8, 9 et stop. Et on respire. Très bien, Marie. Excellent. Impeccable. Deuxième variante, on va répéter l'exercice avec deux coups de poing. 1, je vais charger, 2. 1, rechargez bien, 2. Pas 1, 2, non. Rechargez, 2. Comme si vous vouliez porter votre coude le plus loin possible derrière avant le deuxième coup. D'accord ? On va rester sur des répétitions. Plus tu vas loin avec le coude, plus l'exercice est intéressant pour ton dos. Plus le mouvement, le coup de poing est puissant, plus l'exercice devient vraiment extrêmement intéressant. Ok, mets-toi plutôt dans ce sens-là. Imaginons que ton dos est là. Voilà. Tu ouvres bien, donc n'oublie pas. Essaye de bien ouvrir cette hanche. Ok. Un coup de poing. Et on reste sur 10 répétitions. 1, 1. Très bien. 1, 2. 1, 3. N'oublie pas de respirer, Marie. Hein. 1, 4, c'est parfait. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8. 1, 9. 1 et 10. Très bien. Tu veux récupérer un instant? Ça va. Ça va? Tu vas? Et tu vas, donc de l'autre côté, on reste sur des répétitions, deux coups de poing, on charge, 1, et tu vas dans les angles que tu décides. 1, 1, très bien. 1, 2, voilà. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1 et 10. Et on respire. Très bien. Bon. Tout à l'heure,
lors de notre exercice en planche que je vais vous montrer, j'avais demandé finalement à Marie de faire ce genre d'exercice. Maintenant, je vais faire une petite variante. Et au lieu de faire cette ouverture de hanche, je vais demander à Marie d'aller toucher ou de viser tout au moins l'épaule. Je vais vous montrer. Munissez-vous d'une petite serviette si vous jugez que le fait d'être sur un sol dur Tout à l'heure, nous avions ouvert et maintenant je vais demander à Marie d'aller viser l'épaule, garder, viser l'épaule, garder, viser l'épaule. Ok ? Oui. 10 droite, 10 gauche. Essayez de garder le pied en tension sans poser. 2, 3, excellent. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. 1, 2, voilà, ne pose pas. Respire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Alors, vous voyez que durant tous les mouvements que je fais, j'essaie de faire tourner un corps dans un maximum de directions possibles. D'accord ? Un corps est fait structurellement pour bouger dans trois dimensions, ok ? Ne serait-ce que par la structure de son centre de gravité. Plus vous allez utiliser des chaînes musculaires dans un mouvement, ok ? Plus il est consommateur d'énergie. Et principalement lorsque vous êtes en gravité. Okay. Au moment où une personne est assise, vous savez que toute cette partie qu'on appelle le core training est à l'arrêt. Okay. Troisième variante, Marie va ouvrir comme avant, 1, 2 et un troisième. Toujours des répétitions. Et 1, 2, 3. Voilà, coup de poing puissant. On ouvre bien la hanche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est excellent. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. Et la dernière, et 1, 2 et 10. Ouvrir la hanche, bien ouvrir la hanche. Et 1, 2, 2, très bien. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, tirez bien sur le câble. Hein. On va chercher le câble. 1, 2, 8. Les deux derniers. 1, 2, 9. Et 1, 2 et 10. Et on respire. On récupère. Très bien. Ok ? Oui. Troisième série d'exercices. Hein, nous avions déjà fait cet exercice précédemment, je l'aime bien, qu'on va alterner encore avec des petits exercices un peu plus relax. Je vais demander à Marie de partir vers la gauche et ensuite vers la droite. Elle va tâcher de garder les mains au niveau des oreilles et de s'asseoir ou d'appuyer son ventre contre sa jambe, de s'étendre comme si elle voulait mettre son dos dans l'axe du plafond. Essayez de garder les mains à ce niveau-ci. Je m'étends. 1, 2. Simplement, ok, gauche, droite. On en fait 10 en tout. Donc il y en aura 5 à gauche, 5 à droite, tranquillement. Ok. D'accord. Donc, moi le premier, si je dois te corriger, je te corrige. Essaye de garder toujours tes mains ici. 1. Alors, jambe gauche si tu vas à gauche. Étends bien, hein, et prends ton temps. Étends. 2. C'est ça. Excellent.
4. Très bien. 5. C'est parfait, Marie. 6. 7. 8. 9. Et 10. On va garder toujours les jambes statiques, ok? On va faire ce mouvement-là systématiquement à droite et à gauche, à droite et à gauche, mais avec les exercices que je préconise systématiquement pour l'ouverture de votre dos. I, retour, T, I, T. Essayez de bien écarter, mais tu vois mieux. Augmente le mouvement des jambes déjà pour commencer. Donc ouvre bien. I, puis le côté avec le T. T. Très bien. On est parti. I. Voilà. T. 2. 2. 3. Voilà. 3. Voilà. 4. 4. 5. 5. 6, 6, 7, 7, très bien, 8, très bien, 8, parfait, 9, 9, 10, et 10, et on respire. On corse l'exercice précédent. On va étendre une fois et lorsqu'on sera en position statique, on reviendra aux oreilles, on leur fera une deuxième fois. C'est-à-dire, je m'étends, je reviens aux oreilles, je m'étends et quand j'ai fini de m'étendre, je reviens. 1, 2 et je reviens. Okay, commence par les premiers, si tu ne connais pas, je te corrigerai. Si tu vas à gauche, commence avec la main gauche. Avec la jambe gauche, si tu vas à droite, tu connais avec la main droite. 1, 1, retour, et puis le côté. 2, 2. 3, 3, excellent. 4, 4. 5, 5. 6, 6, parfait. Voilà. À la gauche, on vient. 7, 7. Excellent. 8, 8. 9, 9. 10 et stop. Excellent. Très bien. Ça va. Ok. Oui. Plus difficile qu'il me paraît, hein? Oui. Ouais. Très bien. Tout à l'heure, I, T. Maintenant, au lieu de faire notre I, T, Marie va nous faire W, L, W, L. Relax. Ça te permet de garder le corps en mouvement et de récupérer par la même façon. Ok. Non, voilà, on ne bouge pas. Hein. On ne bouge pas les jambes, on revient. Okay. On ne ramène pas les jambes. Hein. Les jambes sont toujours collées. Donc, hop, tu reviens, et puis tu étends, et puis l'autre. Voilà. W. 1. Très bien. 2. 2. 3. 3. Voilà. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. Parfait. Et on respire. Et notre dernière variante avant le cool down. Tout à l'heure, j'avais demandé à Marie de s'allonger, de tirer une fois et deux fois. Maintenant, elle va tirer une fois et faire un grand écartement avant de revenir. Soit je m'étends, j'ouvre, quand je suis là, je reviens.
Je m'étends, j'ouvre bien haut et je reviens. Prends ton temps, on en fait 10 en tout. Okay. Donc, si tu vas à gauche, jambe gauche. Si tu vas à droite, jambe 20. Et essaie de bien étendre loin derrière. Tu vas sentir toute cette partie du dos, ok, qui se met à travailler de manière particulièrement puissante. 1, non, non, 1, là. Voilà, fini le mouvement avant de revenir. Hop, voilà. 3, fini le mouvement avant de revenir. Hop, tu reviens. Non, fini le mouvement avant de revenir. On recommence. Okay. Alors. Je m'étends et je reviens après, c'est ça. Je m'étends, voilà, c'est ça. J'ouvre et puis je reviens, Marie. Je fais d'abord le mouvement, l'ouverture et puis je reviens. Hop, ouverture d'abord et retour. 4, excellent. Hop, 5, c'est parfait. Hop, 6, voilà, penche-toi bien vers l'avant. Hop, voilà, ça c'est parfait. Hop, il en reste 2. Hop, 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 et stop. Et on respire. Maintenant, regardez les deux bras ici, on va faire un petit coup de down. 1, 2, 3, tranquillement. On essaie de garder les deux pieds sur le sol et on va tourner le tronc, vas-y, indépendamment des pieds. 1, voilà, tranquillement. 2, retour au calme. 3, 4, 5, très bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais m'étendre. 1, 2, tranquillement. 3, 1, 2, bien s'étendre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me fléchis simplement. 1, je me fléchis un peu. 2, pas de poids en arrière. 3, tranquillement, doucement. On laisse les deux pieds là. 1, tu peux bien baisser la tête. Voilà. 2, excellent, on en fait 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Merci. Bravo Marie, bravo à vous, j'espère que vous avez apprécié de vous sentir mieux, car c'est l'essentiel, et j'espère vous revoir très bientôt, un grand merci à vous, et à très très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir.